Moi, j'étais vraiment impressionné par la communication et les interventions, les observations des participants. Ça m'a donné beaucoup de satisfaction, dans la mesure où j'ai appris beaucoup de choses. Au départ, je croyais que c'était les auteurs qui allaient parler, mais le public a vraiment fourni beaucoup d'informations par rapport, n'est-ce pas, à la littérature, surtout à la culture saint-louisienne. C'est une question à laquelle je m'attendais. Tout d'abord, c'est par curiosité intellectuelle. J'étais ici en 2008. Et Louis Camara avait fait une présentation au sujet de la littérature saint-louisienne, les origines, etc. Donc ça m'avait beaucoup intéressé. Je me suis dit, ok, je vais faire de la recherche là-dessus. Ensuite, je suis panafricaniste, j'aime bien le Sénégal, donc je croyais que... faire de la recherche sur la littérature saint-louisienne me permettrait de comprendre mieux la ville, non seulement la ville de Saint-Louis, mais la culture sénégalaise en général et ses particularités et particularismes. Donc, étant les écrivains contemporains, vraiment il a pris contact avec nous et nous avons été disponibles, si bien que Cheikh Oudia Kité a eu à présenter Nafi, Louis Camara, il pleut sur Saint-Louis. Ensuite, moi j'ai traité sur le long chemin de l'exode. Aline Badrasek parlera des génies, quand les génies entraient en colère. Et maintenant, il y a un groupe d'étudiants aussi qui ont fait un travail de littérature comparée sur la littérature afro-américaine et la littérature saint-louisienne. Alors donc, on retient que Saint-Louis a toujours connu un bouillonnement culturel. Depuis les Modou Mapate Diagne, les Abi Bouala, la génération qui nous a devancés, où l'on retrouve Malik Fall, Charles Carrère et d'autres, Ibrahim Soran. Ensuite, pour nous, de cette génération, nous sommes adossés au travail fait déjà par nos prédécesseurs pour vraiment garder ce bouillonnement culturel de la ville de Saint-Louis. Alors c'est ainsi que le cercle des écrivains et poètes est né et regroupe généralement tous les écrivains, poètes de tous les genres littéraires. Et nous sommes heureux de reconnaître que dans cette littérature saint-louisienne, vraiment les écrivains saint-louisiens jouent leur partition de fort belle manière. J'ai cité Aline Badrasek, Papa Samba Sow, Cheikh Oudia Kité et Alpha Sy. Et d'autres écrivains encore, parce que comme on dit en Wolof, Koulim Djoum, mais que c'est une génération vraiment dynamique. Et aujourd'hui, vraiment nous sommes satisfaits de cette collaboration. Parce que vraiment nous avons été satisfaits. Le CEPS reste toujours dynamique pour continuer ce renouveau culturel de la ville de Saint-Louis. Saint-Louis étant une ville culturelle, nous nous sommes adossés à ce passé de nos prédécesseurs pour que la ville demeure toujours une ville culturelle.